أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو تشو بالمودة مسوية مسو بالمودة تشوية أم كدينة جني مسوك بدن كلني surtout ni ambe kala slamaye slama chama balma muso le slama muso mawye slama muso mo fana balma chama de slama chama we slama ye anke baden kelenye madama ni nukuma kan sabatila on ni nenka ani nyon chela ilaha illallah. Les femmes sont nos sœurs, nous sommes aussi leurs frères. Ainsi va la vie, c'est ce que l'islam a décidé. Chers parents, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois, on essaye de prendre un thème qui concerne la famille, qui concerne le foyer, qui concerne le couple. Donc, alhamdoulilah, nous avons 9 catégories de femmes. Parmi ces 9 catégories de femmes, il y a des femmes, je peux dire même, attention, il y a des femmes, parmi ces 9 femmes-là, il faut faire très attention. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont encore célibataires, faites beaucoup attention. Parmi les 9 catégories de femmes, peut-être il y aura des femmes, masha'Allah. Peut-être il y aura des femmes, subhanallah. Peut-être il y aura des femmes, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc aujourd'hui, on va parler des 9 catégories de femmes aujourd'hui. Je demande à toutes les femmes, toutes les mamans, toutes nos sœurs sans exception, concentrez-vous, prenez le stylo, parce qu'aujourd'hui je vais parler sur les femmes. Je vais m'adresser à mes sœurs en Allah. Je vais m'adresser à nos sœurs qui sont dans leur foyer. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Ni Allah Ta'ala son abi. Bi wala da nyasi ni me ambala kaudema. Bi wala da nyasi ni me musoudema. Bi wala da nyasi ni me ambalema muso dema ani am furu muso ni a antene muso nan koro muso fem fenye slama muso ye muso sigiyoro ma konondo be ni muso sigiyoro ma konondo chema muso beba lame ibe ni lame jogo do foto ibi jilaja na jogo bila dan fem foy da fanite al kamalu lillah perfection Allah taala dorontani. Anaye maminu swadi ko osenya ko mabo alausa alaksosokola. Donc chers parents, Allah subhanahu wa ta'ala, ce défaut là même, ce critère là même, ça a causé beaucoup de divorces aujourd'hui dans la société. Peut-être la femme peut avoir ce comportement. Elle se dit non, c'est pas un comportement, elle se dit même c'est pas un problème. Avec le comportement qu'elle a, ce comportement en train de détruire son foyer. Et ce comportement en train de détruire son couple, et ce comportement en train de hypothéquer son mariage sans qu'elle ne se rende compte. Donc, on demande à toutes les femmes, sans exception, on demande à toutes les femmes pieuses, les femmes non pieuses, toutes les femmes musulmanes, sans exception, ce sujet-là s'adresse à vous. Les hommes aussi ne sont pas parfaits. Aujourd'hui, nous, on ne parle pas des hommes. On a toujours ces deux sujets. Soit un sujet qui concerne les femmes, soit un sujet qui concerne aussi les hommes. Aujourd'hui, nous nous adressons à toutes les femmes sans exception. Ambaou, ani amfaou, bi walagada mime ambolo, abena nyasi musouka. Kodo oubeyi, ma ta jate sigila, mais wallahi, a kode be problème ba kreye musou ma kafourou la. Amen à ce mousso sur ma foloma. Et bien, kabikita. Moi, je suis avec le stylo ici. On va prendre number one. Mousso sur ma folo. Elle a quel comportement? Est-ce que ce comportement-là est bien ou pas? On va écouter très rapidement, Inch'Allah. Mousso sur ma folo. Arabou ba fo mousso mimako azzawjatu al-anida. Qu'est-ce que signifie Anida en islam et en arabe? Azzawja, Azzawjatul Anida, excusez-moi pour l'interprétation, mais c'est la signification.
Al-anida, une femme têtue. Musomin damatemenime, une femme têtue. Quand on parle, arrête, c'est pas bon. Une femme qui ne fait que répéter ce que son homme dit de ne pas faire. Muso dama temeni. Al-anida. E oye muso siyoromae. Djogo djogo belebele lo. Djogo kuntam belebele lo. Comme une bamana ou bafo. Koko nate koro olebe lorobo. Et cette femme têtue, elle peut détruire sa maison sans qu'elle ne sache. Avec un gaka so chi. Avec un gaka so chi. Male yere tardon ka foka kenime ka koke. Oye muso siyoroma foloye. Cela m'a moussou bekakan qui yere mafle, qui yere manginiga. Est-ce que Djogo min fola si c'est, est-ce que ne yem moussouye, moussou min dama temenime, moussou min a lorobonime, moussou min a klote koumame, moussou min a fola kwa ya dabla, kwa ya boloka, kwa yi mabwala, yi tchèganya kabwala, moussou min me segi, koukan a tchèbe kanga foka yeko min dabla. Quand tu regardes aujourd'hui la société, il y a des femmes pieuses, mashallah. Il y a des femmes compréhensibles. Il y a des femmes qui écoutent. Mais wallahi, il y a des femmes aussi qui kalika foko béton, le fer négalebo au hakli là. C'est-à-dire, tu te poses la question est-ce que niere adamade newa, mamin te kumame, mamin tolo djaneme, mamin damatemeneme, mamin mi kosegi watibe, tchoko kwa ye mimboloka, abe segi okan watibe. C'est une femme têtue. Yalao, la femme, comment tu peux savoir que. Si tu es têtu ou pas, pose la question à ton mari. Demande à ton mari. Je viens d'écouter Imam Diani. Il dit, il y a un sale comportement qu'il y a. Beaucoup de femmes ont ce comportement-là. Moi, je te pose la question, mon mari. Est-ce que je suis parmi les femmes têtues ou pas? Est-ce que j'ai obéi ou pas? Est-ce que quand tu me dis d'arrêter, j'arrête ou pas? Si ton mari te dit que tu n'es pas têtu, tu as la réponse. Tu n'es pas du tout têtu. Mais si ton mari te dit que tu es têtu, tu es plus même que têtu parce qu'un homme ne doit pas sentir ça même à sa femme. Cela ne fait pas partie de non. Dans un mariage, souvent il y a des hauts et des bas. Ça n'a absolument rien à voir. Une personne qui est têtue, c'est comme l'autre là. Walid ibn Mughira, un mécréant qui a tellement fatigué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui dit dans le Saint-Coran, Anid, ce monsieur-là est têtu. Walid ibn Mughira était têtu. On prend la parole de Dieu, on récite la parole de Dieu, on lui fait la lecture. Il est là, il écoute la parole de Dieu et après maintenant, il change aussi. Mousso. Et quand on a Mousso, il y a un jour où il fume. Le mariage n'est pas seulement de faire plaisir à ton mari. Mais arrête le comportement-là, ce n'est pas du tout bien. C'est frustrant. Il te le janime. Ni muso yere bana kela ka foko cheko kwa ye komin dabla. Kwa tesela o dabla la. Furo yere barakate furo la. Parce que cheni muso tolo gbele nebe nyongona. Cheni moro lebe nyongona. Moro mi atame bi, atame sini. Adama teme nime na falaka ya boloka. C'est un sale comportement. Ça ne t'honore pas ma soeur en Allah. Lorsqu'on te dit d'arrêter. Lorsqu'on te dit de t'éloigner, si ton mari dit qu'il n'aime pas, si ton mari dit évite, si ton mari dit ne reprends pas, si ton mari dit arrête, avec le respect, une femme qui obéit à son mari, parmi les quatre critères qui va faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner le paradis à la femme en disant à la femme, regarde toutes ces portes-là et choisis la porte que tu veux. Une femme qui fait sa prière, une femme qui, alhamdoulilah, fait son jeûne. Une femme qui se préserve. Une femme qui obéit à son mari. Les jours de la résurrection, Allah dira à cette femme-là, regarde le paradis. Arjina bunda bunda dialiye bunda seginina dota yedwala. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les hommes, ça ne va pas du tout. Surtout, une femme qui se retrouve aujourd'hui en Europe ou bien aux États-Unis. Une femme aujourd'hui qui se dit qu'elle a une carte. Une femme qui se dit aujourd'hui, elle a aussi son propre revenu. Une femme qui se dit non, moi, l'argent de mes enfants aussi m'appartient. Donc, elle peut faire tout. Chez elle, elle doit faire tout, elle peut faire tout. Aucune considération pour son mari. Aucun respect. Donc, chez elle,
Elle est arrivée, comme on le dit en français chez nous, elle est arrivée. Une femme têtue, muso dama temeni, muso loro boni, o mandi cheuye, abeke sababuye, conséquence ni mala, toda merbeita, abaka sochi. Ame ala utala dali, ala kanato slama cheuye beni muso suguma. Mariaji, wallahi, mariaji, kumfe kodo. Tu peux voir une femme en disant que, masha'Allah, c'est une femme qui est bien. Mais étant dans ton foyer, tu vas voir le vrai visage de cette femme-là. Elle va te montrer la couleur. Couleur verte, couleur jaune, couleur marron, couleur blanche, couleur noire. Elle va te montrer toutes sortes de couleurs. Elle est tellement têtue. Quand tu fais un peu de sondage, hein, tu vas en Angleterre, en Europe ici, la France, la Belgique, la Hollande, un peu partout, cause un peu avec les hommes. Ibe barokeni cheuye. Che keme chema kadam na Angleterre, France, Belgique, Suisse, Hollande, Luxembourg, Europe, Europe, ambe. Cause un peu avec les hommes. Comment ta femme est? Ils vont te dire ça. J'ai une femme qui est têtue. J'ai une femme qui n'écoute pas. J'ai une femme qui est difficile à faire comprendre. Donc, cette femme-là, chez elle, peut-être, ce qu'elle fait là, elle n'a qu'à faire des coups de main. Donc, on dit, mieux vaut prévenir que de guérir. Le jour où tu vas voir un imam, pardon, mon mariage est presque gâté. Mais l'imam aussi te dit, arrête d'être têtu. Ton mari te dit qu'il n'aime pas les mèches. Ton mari t'a parlé de ça depuis l'Afrique jusqu'à là, il dit que j'aime pas les mèches. Ton mari te dit, j'aime pas qu'il te tresse les femmes avec mèches. Mais tu n'arrives pas à arrêter. Le monsieur, il a tant parlé, il a parlé, il a parlé, il ne fait que te conseiller. Est-ce que vous pensez que c'est par plaisir un homme qui dit à sa femme, il kana na mèche du kuna, voilà, mais il kana mèche du maubare kuna. Le monsieur, il est là, il est arrivé jusqu'à là. Mais la femme continue. Eh, il te mèche du dabla. Il te mèche du dabla kuna. Le monsieur, il a tellement parlé, 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 parlé de ça. C'est plus que 20 ans, c'est plus que 15 ans, c'est plus que 10 ans. C'est plus que 30 ans, la femme reste toujours sur sa décision. Le miskin, le pauvre aussi, il est là. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce que Allah lui a donné une femme têtue. Quand il regarde ses enfants, j'ai fait 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants avec elle, mais elle ne respecte pas ce que j'ai dit. Djogodjougouba l'a été. Damateme sobo kunama. Ni tcheko koye mim boloka adabla, damatemen dabla, adabla. Peut-être tu peux être riche que ton mari. Tu peux être belle que ton mari. Tu peux avoir des statuts que ton mari n'a même pas. Mais dis-toi qu'un homme est un homme. Quel que soit le statut de ton mari, quelle que soit sa pauvreté, wallahi, un homme est un homme. Moi, je te pose une question. Et tu penses qu'aujourd'hui, tu peux commander ton mari? Et si ce monsieur-là te laisse, tu vas croiser un autre qui sera peut-être mille fois pur que le premier. Kema t'a dit, nous te donne. Adama deme doulou de Tchouminabe Sarela ou Tchoulila. Aujourd'hui, les foyers sont menacés. Les couples, ça ne va pas du tout. Parce que la majorité des femmes aujourd'hui qui n'ont pas la foi, qui se donnent à ce bas monde-là, elles sont têtues. Donc, une femme têtue, ton mariage, ton foyer, tu es en train de détruire ton foyer, mais il t'a calama. Wallahi billahi, mousso do baby. Ça dit, furusa, abo lounyene komi djile. Kouma minyere foli kabele. C'est la femme même qui dit à son mari, et si tu ne veux pas me supporter avec le comportement que j'ai là, tu peux me libérer. Hein? Subhanallah. Mais ton homme te conseille. Il te donne des conseils. Il veut te guider sur le droit chemin. Ton homme, il veut ton bien. Ton homme, il veut que tu sois avec lui au paradis. Ton homme, il veut que les enfants, là, ils grandissent, alhamdoulilah, sur cette voie-là. Et les pauvres aussi. L'homme, il est à la maison. Il dit à sa femme, ne sors pas. La femme doit se rendre dans une danse. L'homme, il dit à sa femme, adable et kanabo. L'homme, il est, on ne peut pas dire qu'il est
C'est pas une faiblesse. Mais l'homme, souvent, hakli be cheu la wati do la, obese diena kodo mama, kako mo deseni ne de. Le fait qu'un homme qui prend le téléphone, appeler le papa de sa femme ou bien la mère de sa femme, cela veut dire que cette femme-là, elle a exagéré. Un homme conscient, un homme qui a toutes ses facultés, un homme qui réfléchit, cet homme-là n'a même pas le droit de prendre son téléphone, appeler ta maman ou ton papa. Wallahi, si un homme tu le fais, dis-toi que toi, tu es une femme très têtue. Tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es même pas une femme exemplaire. Et je te dis, et je répète encore, Mousso Mousso, elle est tchèque kanyana ima, a desela ima. I tchèbeta, i yere woloba wole, abeti, i yere wolofa wole. Mousso ya donc a foko, ala ou ta ala ka Mousso mounou matoro. Mousso mounou matoro ni me moumina tout la. Ala kera ka Mousso mounou matoro. Elle est no lou tchèque kaja. Il no lou tchèque kaja. Et tu penses que c'est par plaisir comme ça, l'homme il va prendre son téléphone pour appeler ta maman, pour exposer sa maison devant ta maman. Parce qu'il est incapable. Il ne sait pas quoi faire encore. Il ne veut pas aussi le divorce. Il regarde les enfants. Mais c'est ce qui est là aujourd'hui. Ta maman, on appelle ta maman. Il y a d'autres même, subhanallah, c'est elle qui s'occupe de sa maman. C'est elle qui envoie les 100 euros, les 50 euros à sa maman. L'homme, il est là. Son foyer est menacé. Son foyer est presque gâté. Il est là, il appelle les parents de sa femme pour que vraiment parler à votre fille. Pour qu'elle se ressaisisse. Mais on parle à la fille, elle augmente. Si la femme, à partir du moment que elle est en complicité avec sa propre maman ou son papa, mon frère, tout ce que tu vas donner comme conseil, ça n'aura pas. C'est fini. Tu ne peux rien faire. Sinon, il y a des hommes qui sont beaucoup patients, wallahi. Ils sont tellement patients. Ils veulent tellement arranger la femme. Ils veulent tellement parler à la femme avec douceur. Ils prennent le temps. Pardon, je te demande, arrête ça, c'est pas du tout bon. Mais souvent, il y a des femmes, quand tu leur parles en douceur, à obliquer comme il te faut les calamas. Souvent, les femmes préfèrent les hommes qui crient. Musso dobe doucement maïno lui wallahi. Ni a kadoron obike chemugunine. Voilà ma bique chelle, tente chelle. Il y a des femmes, quand elles te montrent qu'elles sont folles, il faut montrer que tu es plus fou qu'elles. Ce n'est pas la femme qui te commande, c'est toi qui commandes la femme. Si la femme te montre qu'elle est folle, il faut montrer que toi-même là, acide, pétrole là, tu bois ça. Mais à partir du moment que tu te laisses, une femme te gère, toi ta vie là, cette femme qui te gère là, et cette femme-là va jamais accepter que son fils qu'elle a mis au monde là, que la femme de son fils commande son fils, jamais de la vie. Et vous pensez que les femmes sont bêtes? Une femme même dit, moi, mon fils là, s'il marie une femme qui décide de la commander là, la femme là va voir avec moi, et mon fils va voir avec moi. Donc, aucune femme ne peut accepter qu'une femme commande ton fils. Aucune maman ne va accepter ça. Impossible. Moussote Bukolo Kwaka, depuis Dunia Dana Fame Watimina, Bamsote, Bamso Mimedie, Ko Ale Denche, Aboura Mousso Ya Denche commande, depuis Ndana Ma Yefolo, Aerete Mande, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Mandeng, ça n'existe même pas. L'empire de Mandeng, jamais de la vie. Mais aujourd'hui, ni Mousso le Kenime Bika Pantalon de Sokono, Tologbalaya Soukoube, wallahi ben muso kemeye obe kenema o bola kato makonyaula muso kemeni wole yo manyinga. Est-ce que quand tu sortais ton mari il était au courant? Elle pourra pas parler. Est-ce que quand tu sortais là ton mari là, est-ce que tu appelais ton mari? Est-ce qu'il qui tcha bunya do alawa? Ça dit muso boyere kala biba foko tito là. Une femme qui sort sans l'autorisation de son mari, muso muso ni bebo kenema kasoro i cheta kalama. Il parle donc à fois, il t'a ta famille. Qu'on ne sera ni ça là qui tossera la casserole. Il t'a ma dié kabolima. Il soudou beta la ou ta la soroye. Une femme qui sort de chez elle, sans l'accord de son mari n'est pas au courant.
Et cette femme-là, il faut t'arranger, il ne faut pas mourir là-bas. Et si tu meurs là, dis-toi que Wallahi billahi ta'ala, il soudou le bêta Allah ou ta'ala bara. La femme voyage même sans informer l'homme. Une femme se déplace sans informer son mari. Ça dit, bonya le te tchao, quand on m'a côté tchao là, au tolo ni djani, mais pas faut qu'on n'aille pas là. Tu as été que foyer moussoko. Il te foyer moussoko. Il remafle. Mousso de mousso, une femme est une femme. Une femme reste une femme. Tu peux jamais être un homme. Tu peux être riche que ton mari. Tu peux être plus grand que ton mari. Tu peux être plus grosse que ton mari. Mais dis-toi que la femme du prophète Khadija, elle était plus riche que son mari, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle respectait le prophète. A donc à Foko, Alakara Mousso Khadija, Nafolo Tiki Baletoumé. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a annoncé cette bonne nouvelle à Khadija, que Allah subhanahu wa ta'ala a construit des maisons pour elle au paradis. Une maison de douceur. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui respectait son mari. C'est une femme qui donnait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tranquillité. C'est une femme qui veillait sur son mari. C'est une femme qui a aidé son mari. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala était satisfait du comportement de Khadija. Pourquoi laisser Khadija comme ça? Il faut que je l'informe. Ange Gabriel, Jibril, le nana, quand Allah ka bomi lo Khadija et Arjina kono kana foye. Mais elle est tchadouzous manitibolo. Raison pour laquelle quand tu vois un homme et sa femme dehors, l'autre, il appelle sa femme bébé, l'autre appelle chérie, il ne faut pas croire à tout ça. Il canala ni bella ni chama mais c'est blagué tué devant les gens elle montre mais subhanallah ah surtout et kanata adosoro odusu bonime ono chobe nyona elle minna totuma do kana kele fo wala maka fitna lasa ini kamusoni yekumana ikajiyani kan limanyani kan lanantia me babe bwala Adama temenine na ka chemne nyene. Ah non. Ah. Irani te dasi kelendo achela. Bi muso keni metele bi oyo furula ka kanatige. Bi furu bonya foy tobelo furula. Tolo kagbele. Chajol baby Ameriki kom muso ye meshido dabla ma dabla. Chajol baby European kom muso ye meshido dabla ma dabla. Chajol baby muso ye ma dabla. Aka tologbala ya nofe abe kanga meshi dodam na demuso fanakuna. Mais le monsieur dit d'arrêter, tu ne veux pas arrêter. Mais tu es en train aussi d'entraîner aussi ta fille. Non seulement toi, ta vie est déjà classée, parce qu'une femme qui porte les mèches là, elle est maudite. Le prophète a dit ça dans l'hadith. Donc ta fille aussi, tu es en train de mettre la malédiction sur ta fille et ton homme dit qu'il n'aime pas. Et moi je pense qu'on doit se rendre belle devant son mari. Quand tu dis je suis belle là, c'est ton mari qui doit t'admirer. Quand tu veux te montrer là, tu dois te montrer à ton mari. Ni be fe ki ka sanu de ba du chele nyakoro. I ka basa undo i ba du chele nyakoro. Une femme doit porter tout ce qui est beau devant son mari. I ka waxu ya du chele nyakoro, i ka wolanda ya du chele nyakoro, i ka sani blay disi la yedi si chakoro. I chei admirer, c'est ce que l'islam nous demande. Maintenant aujourd'hui, c'est pas ça le cas. L'homme, il est là. Il y a des hommes même aujourd'hui, s'ils croisent sa femme dehors, ah ben c'est maintenant Mousso là, parce que ma femme ne s'appuie pas comme ça devant moi. Valère Foy était née là, à Nyakoro. Elle préfère quoi? Je m'habille bien dans les mambaya, menka sanou do kata mambaya kero, men yereta. Surtout, Mousso dobo bolosi se memeno o makye loukono. Je ne sais pas comment on appelle ces femmes-là. Les femmes qui se déplacent pour venir maquiller, c'est pas si c'est des maquilleuses, oui, c'est qui viennent, les femmes qui viennent maquiller les femmes à la maison. Elles peuvent prendre 20 minutes ou 30 minutes, elles sont en train de décorer une femme. Quand je dis décorer là, elles sont en train de mettre rouge à lèvres, fond de teint. Elles font ça à cause d'une nuit seulement. Une nuit de danse. Mais devant son mari, elle s'en fout même de son mari. Nicolou, nous avons un kenema. Ah, que c'est une grande dame. Ce n'est même pas une grande dame. Une femme qui ne respecte pas. Une femme qui n'obéit pas. Une femme qui n'écoute pas son mari. Mbal Mamousso a donc à Foko, tu n'as pas. Ta ala bara n'a pas foïté ela. Donc, Mousso Sigoroma folo. Oye Mousso ye, Mousso min dama temenime, Mousso min lorobonime,
muso min n'a fɔla ko a ye ko dabila a y'a bolo k'a y'i bolo bɔ a la a t'a dabila fo cɛ yɛrɛ bɛ taa ka taa a ka bonna ko fɔ mɔgɔw ye ko ye na kuma n'a muso ye ko minnu lɔgɔ t'a la subhanallah et il y a des hommes aussi subhanallah ils sont là des années et des années ça ne va pas du tout à la maison il a croisé une femme très têtue une femme qui n'écoute pas mais le monsieur il ne veut pas exposer son foyer dehors qu'est-ce qu'il veut décide maintenant qu'est-ce qu'il décide le monsieur il va devenir bobo ah un bobo ne parle pas donc il a tellement mal à son bétier ni ma kono. Et vous pensez que ce monsieur-là, il va aimer sa maison? Non. Parce qu'il vit avec une femme. Chez lui-même, la femme là, vraiment, il est en train de pourrir la vie du monsieur. Il est en train de pourrir la vie du monsieur. Et aussi, moi, je vais dire à tous mes frères en Allah, les soi-disant, les femmes qui se déplacent pour venir maquiller les femmes chez vous à la maison, là. Souvent, il faut accepter que ta femme appelle la police contre toi-même. C'est bon même que d'accepter ces femmes-là venir maquiller ta femme dans ton salon. Vous aussi, il ne faut pas toujours accepter les choses. Il ne faut pas toujours accepter les choses. Tu es Jomayaï. Ça dit, je ne respecte pas mon mari, ça c'est vrai. Mais accepter aussi des choses chez toi à la maison. Mon frère, ça c'est pas la femme de... Ça c'est toi. Non, Kodo baby. Yo soma, ça dit, on te dit oui. Musoni ka cha wole fama sola musoni ka cha bla kasola odinite kayima yesigi dayush yale kaso kona parce qu'il y a des hommes aussi qui sont dayush un dayush il n'est même pas jaloux la femme peut faire tout eh musobe sokono muso teru chama ubena kana kulonke muso fare la era signi mais c'est même pas son problème ah wallahi tu peux être ami avec un Marocain. J'aime beaucoup mes frères marocains en Allah. Mais ce côté-là, non. Nous sommes amis, mais ma femme, même saluer ma femme, même tu n'as pas le droit. Mais nous, manamana moko lebe do anga sokono. Kana odiane ko ke amuso la muso fana mi la ben ka banka bo kata diane ke yoro la. Chambal ma chan chan fo nyoe. Defo be muso la tama defo ire chama me chaule la. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Nous avons 9 catégories de femmes. La première femme, Azawjatu l'anida, furumuso mina damatemenime, oleka sobe chi, kachien kasro ata kalama, ka Allah ta'ala diya, ka muso botolu bela ya bunda kona ala mokela. Asiyoroma flana, oye muso ye, abefo muso mako muhmala, oye muso soukoudme, une femme qui néglige tout, elle est tellement négligente. Ce n'est pas son problème. Et quand elle est tellement négligente. Toutes les femmes qui sont comme ça, c'est clair et net. Tu es négligente. 90% des hommes, quand ils ont ce genre de femmes, les hommes vont regarder ailleurs. Ça, c'est clair et net. Ah oui. Muso, elle est ma côté, elle est là. C'est-à-dire, il m'a côté fou, il a quoi bien négligé. Donc, il faut y aller. Nous, les secrets, nous sommes quand on a fini. Ni pas secret, qui est là, bena, qui est là, bena, nous sommes tous là. Une femme, elle est tellement négligente. Elle connaît, fin, quand on a fait ma côté, fou, elle est là. Tu as besoin de ce qu'on a. Elle est négligente. Ce n'est pas son problème. Le monsieur rentre chez lui à la maison, la chambre, la femme, elle est. C'est même pas son problème. Elle néglige tout ça. Le monsieur, il vient à la cuisine, il vient trouver que la cuisine est sale. Ce n'est pas parce que la femme, elle est sale en question, mais elle est négligente. Avec quoi négliger Kodjou? Si ça se répète, si ça continue, ça ne fait que continuer. Dis-toi que ton homme là, il va regarder ailleurs. Ça, c'est clair et net. Donc, il faut que nous nous sommes. Même les enfants, ils ont négligé. Ils ont négligé.
amakuta ayerecha ayerechela nile makute itigi ala de de meka ika nyame dajulu bi chele bolo muso jolbe bi o yera madon. Nous les hommes, nous sommes des rois. Oui, nous les hommes, nous sommes des rois. Quand je dis des rois, dans la famille, c'est l'homme. L'homme, il veut manger la nuit. Une femme qui est négligente là, la nourriture que son mari doit manger la nuit là, elle ne connaît même pas. Le monsieur, il est là, il a faim. Au lieu de faire des petits trucs, les petits trucs, les trucs légers pour ton mari la nuit. Mais les négligences, ce n'est même pas son problème. C'est l'homme maintenant qui va se déplacer maintenant. Abeta babou là. Et Moussa Mimabolata Kalama. Et ne. Atofoye Kalama. L'homme, il va aller se servir. L'homme, il va commencer à boire des yaou. Domini Lejo. Hatayou. Nanayou Beminou là. Opta Kanabla Ichekoro. Eh Allah. Ni ala ka cheba korbe muso nyumama. Muso dobe ni ote ni kalama bi, ota kalama sini, oye refanata nyanyinina. Mais ton homme il est là, surtout à l'hiver en Europe ici. À l'hiver là, ah non, Congo le beke moro là quoi. Tu manges un peu, tu as faim, tu manges un peu, tu as faim. L'homme il ne fait que faire va et vient. La cuisine, c'est pas un problème. L'homme aussi peut se débrouiller cuisinier. Mais, ma soeur Anallah, s'il te plaît, le fait que ton homme là, il rentre toujours à Bédo Baboula Kabawa Tibet, qu'est-ce que je n'arrive pas à donner à mon mari? Un de trois, il rentre à la cuisine. Un de trois, il est dans la cuisine. Un de trois, il est dans la. Mais toi, tu négliges ton mari. Oh. Tu ne maîtrises même pas ton mari. Tu ne sais pas à quelle heure ce monsieur là peut manger ou doit manger. Le monsieur, il a faim, le pauvre, il a faim. La dame néglige son mari, elle est concentrée sur son téléphone. Pia, 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 pia. Matin, midi, soir, elle est sur son téléphone. Le monsieur, il a faim. Il est quitté au boulot. Il veut manger. Il veut manger les trucs légers. Les salades, les fruits, les pommes de terre. À ma côté, Nishila. Une femme qui ne néglige pas son mari, c'est cette femme-là. Écoute très bien. Lorsqu'elle est au marché pour les achats, c'est cette femme-là qui paye des savons. C'est cette femme-là qui paye les déodorants de son mari. C'est cette femme-là qui achète les parfums de son mari. C'est cette femme-là qui achète les débardeurs pour son mari. C'est cette femme-là qui achète des sous-codes pour son mari. Parce qu'elle ne néglige pas son homme. Elle sait que l'homme est précieux, l'homme est or, l'homme est diamant. Slamao, Slamamuso, Aukini Boloke, Aouchaoula, Ayeto, Aouchaoula, blala. Si une autre femme récupère ta femme, il y a femme, il y a femme. Si une femme là, qui néglige pas son homme là, si elle récupère toi, ton mari là, t'as le boliboloé. Tu penses que les hommes sont bêtes? Une femme qui me donne à manger la nuit, 20h, 21h, elle me fait des petits plats. Et tu penses que toi, quand l'homme il est chez toi, il ne fait que rentrer avec Dog Babou là. Tu penses que même les causeries la nuit là, en islam là, te forme à côté de Mbalia. Une femme qui s'occupe bien de son mari la nuit, l'homme il va bien causer avec cette dernière là, il va partager bien. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. L'autre là est concentré sur son téléphone, l'autre là ne fait que regarder les feuilletons brésiliens, mexicains, africains, chinois, et ainsi de suite. Mais tu penses que l'autre qui est là, il prend le pied de son mari. Il est en train d'appuyer sur le pied de son mari. Il est en train de masser son mari. Il est en train de prendre les doigts de son mari. Il est en train de. Subhanallah. Et vous pensez que les hommes sont bêtes? Nous sommes mis bolo kunandem naka asama sama. Ki bolo kumumbo. Abe salona. Isen. O lanimaka. Abi sem naka didi. Ki sentaka. Isen kunane u kumumbo. Ka jib la fena. Che. Min siginimaka telefonika. Chebe do babu la kabo. Chabe se kela kele yendi. Chabe se abe hakli siki soro do le fey. Ça c'est clair et net. Toi il faut rester avec ton téléphone. Il faut te concentrer avec ton téléphone. L'autre là, elle a payé tout ce qui est matériel. Elle doit couper les ongles de son mari. Regarde un peu. Il y a des hommes là.
quand tu regardes ni qu'au sein qu'on reflète et bien kali ka foko lamuni les hommes sont en train de marcher quand tu regardes leurs pieds là au sein qui qu'on a janimé mais la femme qui néglige pas son mari ah si Allah te donne une bonne femme faut dire Dieu merci l'homme il est là il met le pied de son mari à Babla Djila le chef il est là il est tranquille il regarde son pied dans l'eau il regarde la pauvre qui se donne qui s'intéresse elle est là elle prend le pied de son mari. Elle les suit bien. Elle prend, elle gratte. Abba Sorum Betige. Non, subhanallah. Abba Sorum Betige. L'homme même là, quand il regarde son pied là, il va même se dire que mon pied même est en train de rajeunir. Mais l'autre là, c'est même pas son problème. Elle n'a jamais touché le pied de son mari. Chez elle même, ça n'existe pas. Mais quand on parle d'une femme qui néglige son mari là, c'est cette femme là. Une femme qui néglige là, c'est cette femme-là. Aucun homme ne veut ce genre de femme. Nous sommes aujourd'hui 21e siècle là. Une femme comme ça. Il y a des femmes aujourd'hui. Elle dit non, mon mari, tu ne dois plus aller au salon de coiffure pour aller te coiffer. La machine est là, tondeuse est là. Les femmes prennent maintenant les tondeuses maintenant pour coiffer leur mari. C'est ça, on dit vraie femme. T'es tolle, c'est pas tolle. Femme, c'est pas femme. Ça, c'est clair et net. Femme, c'est pas femme. Tolle, c'est pas tolle. Mon mari, non. Avec les maladies aujourd'hui, je préfère te coiffer moi-même à la maison. Elle a une machine tondeuse. Même si elle ne sait pas coiffer, elle va s'entraîner, elle va s'habituer. C'est elle maintenant qui va raser la tête de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse à son homme. C'est ça, on dit, une femme qui s'intéresse. Mais il y a des femmes là. La poule, Nimou Mimedokuna, Al Nimou de la Tchaokuna, ce n'est pas son problème. L'homme, il est en train de sortir avec ses tricots froissés, ses habits qui sont très sales, ses habits qui sont sales. Il n'est même pas parfumé. Ton mari sort de chez lui, devant toi. Tu vois ton mari, tu sais qu'il n'est pas bien habillé, tu sais que ses habits sont froissés, tu sais qu'il va aller causer avec les gens. Slamamousso. Toi, ton rôle même, c'est quoi? Ton mari, là, il t'a pris, tu es chez lui comme, ça dit, tu n'existes même pas. L'homme, le miskin, il est en train de sortir, le pauvre, il est en train de sortir. Le pauvre a besoin de l'entretien, c'est comme une voiture. La voiture a besoin d'essence, tolérie, contrôle. L'homme aussi, il est pareil. Mais la femme, c'est même pas son problème. C'est pas son problème. Donc, le monsieur, il va sortir. Il y a des femmes aujourd'hui ici en Europe ou bien aux États-Unis. Faire à repasser là. Autofay. Wallahi, faire à repasser. On veut faire à repasser. Fanny passer fin. À toi au boulot. Et toi, tu te dis que tu es femme. Faire à repasser. Ton homme doit sortir. Il sort avec ses boubous. Il sort avec sa costume. Il sort avec ses chemises. Il sort avec ses pantalons. Pantalon là, quand on lave la machine là, le pantalon est froissé. Les chemises sont froissées. Tiens, s'il te plaît, tu peux aider ton mari un peu. Quand tu regardes ton mari même là, avec ses amis là, est-ce que tu n'as pas honte? L'image que ton mari va sortir avec ça là, montrer aux gens dehors là, c'est toi ton image que tu es en train de montrer aux gens. Un homme qui sort, qui n'est pas du tout entretenu, il a une femme très négligente. On laisse même négligente même une femme qui est sale, parce que c'est le mot qui est là. Et tu es là. Il veut l'ou qu'on a comité. A la cana, tu es fou, il veut moussoma. Moussominou makoto, tu es là. Moussominou bo, tu es négligé. A la cana, tu es haklima fou, il veut moussoma. Ni ni djoro, il veut moussoma, mais ala ou ta la dali. A la mani djoro, boala moussola, kwa se o makoto la o tchaola. Subhanallah. Cher parent Allah. Alakira sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle, on donne des exemples, on ne peut jamais oublier le prophète. Regarde un peu sa femme Aïcha. Le prophète, pendant sa prière nocturne, alakira ka souseli wati, il est concentré. Ani alaw ta'ala debe kontakila, sa femme Aïcha. Elle venait faire quoi? Est-ce qu'elle ne va pas et perturber le prophète, est-ce qu'elle ne va pas déconcentrer le prophète? Non.
Aïcha se mettait toujours à côté du prophète. Si le prophète devait faire sujoud, il poussait légèrement Aïcha radiallahu anha pour se prosterner. Faut voir la complicité. Faut voir de la manière dont Aïcha s'intéressait à son homme. Et mais le prophète a eu à dire à Aïcha, Aïcha, tu es jalouse de moi. Il dit, mais le prophète, toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle femme qui ne sera pas jalouse? Donc, c'est ça, on dit une femme. Même quand le prophète était malade, Aïcha, elle était tout le temps à côté. Elle récitait, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ كَكْلَكَ أَجَّجُّ شِنَائِ. A des fois, il y a un peu de temps pour se faire. Muso nyuma utoma sere umakobo chaula ma babila do chomina bamso behina de na chomina bamso ba de na do chomina muso nyuma fana kaganka achela do nchole la okoso farafina ni kuma beida depuis an ka do ko muso be muso la ni iche ka furuka la do ko flale alabana ele le tato parce que ele bola fami mina ele manyo lula. Elle est taille maloyale, a comme maloyala. Depuis, ça te fait 20 ans de mariage, même pour prendre la douche avec ton mari, là, toi-même, tu ne peux pas faire. Ah, mes enfants sont grands, j'ai beaucoup d'enfants avec mon mari. Hey, la petite qui va venir là, elle va prendre ton mari devant toi, ils vont aller se laver ensemble. Oui, ils sont mes pères, ils sont mes chikono. Yeah, parce qu'elle est venue pour ça. Elle est venue pour sauver son homme. Elle est venue pour aider son homme. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prenait la douche avec sa femme. Au boulot, tu me fais encore dire, oh, tu me clombes. Et c'est ça, on dit le mariage. Quand Allah Ta'ala dit, que tchao ni mousso, surtout mousso, y'a don, femme y'a fourouye, femme y'a tchaye, na femme y'a tchela. Important si me chela doyoro me chela ka muso kelengele na be hakli sen yoroni ma kasen yoroni tala takun mana alu tala bolo alamu kela am fauni am baw ameto ya ka muso belebele ufo jana ni continue nan ka feni. On voit aujourd'hui il y a des femmes qui sont très combattantes. Il y a des femmes aujourd'hui, elles sont en train de faire toutes sortes de sacrifices pour maintenir leur couple. Malgré il y a des hauts et il y a des bas. On voit des femmes aujourd'hui. C'est-à-dire, l'image que l'homme montre dehors, et pourtant, il a une grande femme derrière. C'est ça, on dit un homme. Un homme heureux. Un homme content. Un homme joyeux. Un homme qui est toujours, alhamdoulilah, souriant. Dis-toi que cet homme-là, il a une grande femme. Hein. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Oui, la dame qui pousse son mari, la dame qui est toujours derrière, la dame qui dit oui, mon mari, vas-y, tu es exceptionnel, tu es the last one, tu es là. T'as dit, l'homme il est là, mashallah. Eh, salam tchao. Kerako sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète te dit, tous les hommes écoutez très bien. Le salut là. Le succès, c'est-à-dire étant dans ce bas monde-là, tu es déjà admis, tu es déjà qualifié, tu es déjà parmi les habitants du paradis. Il y a quatre signes. Si Allah te donne ces quatre signes-là, dis-toi que, masha'Allah, parmi ces quatre signes-là, al-mar'atu salihah, une bonne femme. Wallahi, ni Allah kam musonyuma di tchema, yé kunadia sababu belebele nani mendoko fala, musonyuma le boy. Tu ne peux pas vivre avec une femme. Chaque fois, il y a des problèmes, chaque fois, c'est des palabres, chaque fois, il n'y a même pas la joie. Ça, ce n'est pas un bon signe. Mousso nyuma ye arigine soro toroma sere nyuma bade. Kalimani yako nyuma di ambe ma alaw ta alabu la mokela. Ni mafli, anye aflana le foni. La troisième catégorie de femmes. Al magroura, une femme arrogante. Une femme arrogante, muso fanomba, muso min kabo ayere bolo, muso min yene kafoka nyote. Elle se dit que mon papa il est riche, je viens d'une famille très riche, moi je suis plus mieux que toi. Tu penses que c'est quoi? Je suis plus belle que toi. Si mes parents ne m'ont pas forcé là,
Tu penses que toi et moi, là, on se ressemble? Ah! Ni me fois tchado fanama okas, ni me fois tchado fanama 21e siècle. Ah! Ni mousso doka tchado mnenyene. Toi, tu penses que toi et moi, là, on se ressemble? Si c'est pas parce que mon papa m'a convaincu, là, ou ma maman, là, tu penses que moi, je vais t'accepter? Toi qui viens d'une famille très pauvre, là. Moi, mon papa, il m'a mis à l'école, hein. Moi, quand je partais à l'école, c'est une voiture qui me prenait pour aller, hein. Toi, tu penses que c'est ton foyer, Ika les femmes disent aujourd'hui, ton mariage sale, là. Si on veut traduire ça même en français, même ça donne pas le vrai sens. Ika, c'est-à-dire ton mariage bizarre, là. Comment est-ce que tu peux dire à ton mari que son mariage est bizarre? Mais tu dis à ton mari que son mariage est bizarre? Dis-toi que cette phrase-là que tu as fait sortir, là, et cette phrase-là va rester dans la tête de ton mari jusqu'à sa mort. Même si tu te répands, même si tu reviens vers ton mari pour demander les excuses, c'est des phrases qui sont très, 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 très difficiles à digérer. Ikafurunoni, donc makane musoli. Ikafurukuntani, on sort de comment bide. Il y a des hommes aujourd'hui, ça dit comme l'islam interdit là, moi et hier fara. Il y a des hommes aujourd'hui, ça dit kato hier kum fara kado yebi parce que nous sommes bêtiers nous mokono. Et toi tu dis à ton mari kafurunoni, tu dis à ton mari quoi kafurukunta, ah ouais, il joue le befama. Akafurunoni, akafurukunta, neni etemo kelene. Aha. Il y a des femmes même qui insultent même son mari. Elle est affamée, je ne le bilais qu'affamée. Ne qu'elle il est fait, depuis ne qu'elle il est fait, comme on connaît. Ah, mais cette phrase-là aussi, là, elle est très dangereuse. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi les femmes sont nombreuses et de l'autre côté là-bas? L'autre côté là-bas, même le nom, même là, c'est même pas l'enfer. Pourquoi les femmes sont nombreuses là-bas? La majorité des femmes, l'hadith là vient du prophète, hein, et dit la majorité des habitants de l'enfer, c'est les femmes. On dit, ya Rasulallah, mais pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas reconnaissantes. L'homme peut faire 1000 choses, l'homme peut faire des choses, il ne fait que donner. Mais le jour qu'il sera dans l'incapacité de faire un geste à sa femme, la femme va dire, mais depuis que je suis ta femme, là, tu m'as fait quoi? Qu'est-ce que tu fais pour moi? À cause de ces propos-là, le prophète dit que là, les femmes seront nombreuses. Ce n'est pas ma parole. Vous savez que quand je dis les propos du prophète, c'est des propos authentiques, c'est des hadiths authentiques. Comme n'a ma se mi sor la lo min ka di depuis na sigili le kuika mon kenye ele be neni munche ele be munya na nema tu es en train de lancer le missile à ton mari sans que tu te rendes compte. Donc muso be chaya jahanama kono wolu nyuma lom balia ni nela. Et mais moi je pense que toi quand on parle de Khadija, l'histoire est tellement beau à attendre. On dit que Khadija, elle était riche, le prophète travaillait chez elle, le prophète Khadija a constaté que le prophète avait un bon comportement, il a proposé le mariage à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de l'histoire de Khadija, tout le monde est content. Les femmes sont contentes, les hommes sont contents. Mais quand on parle de Khadija, l'histoire est mashallah. Mais aussi, il faut retenir des choses. Pourquoi le prophète, malgré que Khadija était plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 15 ans de différence. Khadija avait 40 ans, le prophète avait 25 ans. 25-40 ans. Ils ont eu 6 enfants. Mais malgré que Khadija est décédée, le prophète s'est remarié. Le prophète parlait toujours de Khadija, wallahi. Jusqu'à un jour, Aïcha dit à Rasulallah, mais tu ne fais que parler de Khadija. Quand tu fais un sacrifice, tu envoies la viande à ses parents. Chaque fois Khadija, et pourtant Allah t'a donné une jeune femme qui est plus jeune même que Khadija, qui est Aïcha. Le prophète dit à Aïcha, je ne peux jamais oublier Khadija. C'est ça on dit l'homme. Les hommes, un homme ne peut jamais oublier une femme pareille. Mousso,
mime cɛ dɛmɛ min tɛ woloɲumanbaliya kɛ cɛ tɛ ɲinɛ o kɔ fo ka saya s'a ma. Même si un homme là, c'est un frivole là, kamere ba le jogo kuntan bɛɛ b'a la, sa femme qui est à la maison, a muso min bɛ lu kɔnɔ ni nin jogo sugu b'a la, kamere ba bɛ ko bɛɛ kɛ, a y'a sunguru minnu bɛ yen mais a b'a dɔn k'a fɔ muso min bɛ ne bolo, muso min bɛ ne bolo nin yɛrɛlaba tɛ dɛ, fanɔba tɛ dɛ, muso min bɛ ne bolo nin a hakili ka bon, a hakili ka bon. Donc ame alaw taala le dali lalilika min bɛ fɔla nin ne balimamuso ne bawo ani ne balimaw ani ne mamuso mɛ min ɲini aw fɛ an y'an bolo kɛ nin lalilikan na furusa a bɛ kɛ n'a kɛ waatiw sela mɛ i jilaja y'i danbe garde y'i ka honɛr n'i ka dinite garde o tɛ garde ni foyi ye fo ka jogoɲuman ta i ka furu kɔnɔ hali n'i ma deri a la fɔ i yɛrɛ la deri a la ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma alahu taala bolo ala m'o kɛla an ye a sabanan fɔ an bɛna se a naaninan a bɛ fɔ muso min ma ko a nakadiya a zawjatu nakadiya hey! Subhanallah o ye muso jɔn ye une femme qui se plaint toujours une femme qui réagit avec force elle est tellement jalouse. Ça, ce n'est pas un bon comportement. L'islam est pour la jalousie de la femme, comme l'homme. Allah même est jaloux. Allah demande à ce qu'il soit adoré seul. Allah, il est jaloux. Il ne veut pas d'associés. Alhamdoulilah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hommes, un homme doit être jaloux. Une femme doit être jalouse. Mais il y a jalousie, il y a jalousie de... Keleya. Koɲuman ba don alahu taala ye mansa ye mansa min keleyani mɛ ale alahu taala keleni bato le ka kan muso ka kan ka keleya mɛ keleya dɔw ma fɔ an ka diina la dɛ ya jalousie ya jalousie jalousie même qui peut même te fait dérailler la arrête ressaisis toi parle à toi même te regarde toi dans le miroir. Il y a des jalousies là. Wallahi, abika dignité boibolo. Il l'ombara ou bechaya. Il be ke bolo kunando ou be suila sokono. Parce que tu ne sais pas te comporter. Peut-être c'est ce qu'on a vu en Afrique, peut-être c'est ce qu'il y a d'autres aussi qui veulent répéter. Mais la jalousie, même au quartier, même en Afrique, même là, les gens même là considèrent ces femmes-là comme des comédiennes. Obe bo kenema kanyon en damna. Mais ça c'est la comédie. Tu es en train de te bagarrer avec ta rivale. Est-ce qu'il t'y va l'air benawa? Mais aujourd'hui, non. La jalousie. Si ça fait ça, je vais me faire ceci. Je vais me donner à la mort. Faut te donner à la mort à cause d'un homme. Si tu te donnes à la mort à cause d'un homme là, l'enfer là, les anges vont te jeter dedans là-bas. L'homme là, lui, il est au paradis. Peut-être avec la femme même que tu t'es donnée à la mort là. L'homme et sa femme là, ils sont ensemble au paradis là-bas. Toi, tu es dans le feu. Tasuma bekan ki makosa. On peut être jaloux, c'est tout à fait normal. Mais comment est-ce que la jalousie peut te mettre dans les problèmes? Jusqu'à ce que tu imeria ou betien, ou erinke ou betien, miria djougou bena, ila ko djougou bena ikuna, hakil nanta djougou bena ikuna. Mais c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Souvent, nous comment sugu beke muso douda. Comment sugu beke muso douda wallahi. Ali baro yere la ala tolonkuma muso ya dabla. Ala tolonkuma ala baro keka muso ya dabla. Une femme qui s'est dit non, si moi mon mari prend une deuxième femme là, mais na nyere fa. Muso ba fo wallahi ala taala be nunu belaton. Si moi, mon mari le fait là, je vais. Ils vont dire, souvent même, ils menacent même leur mari, je vais tuer mon mari. Le pauvre aussi, quand il entend tuer là, lui aussi, son cœur est mort. Tu dis à cette femme là que son papa là, il avait commis. Dis à toi-même là, toi, ton papa, il avait. Tu es musulman, mon frère. Il ne faut pas que la femme. Il ne faut pas te laisser, mon frère. Un homme est un homme.
toutes ces grimaces-là, tant. Si les femmes veulent, ils n'ont qu'à dire que l'imam Djané encourage les femmes, c'est même pas mon problème. Moi, je parle de l'islam, je parle de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit de dire. Si tu veux, là, il ne faut plus regarder le direct. Ce n'est même pas mon problème. On ne cherche même pas vue ni buzz. Ça, ce n'est pas notre problème. Adamade, wati do la, il faut au seniya. Il faut au seniya. Et ni tcheka musota, il me tire refa, il me tire kete. Ok, il est tire refa. O yere kadjansa, il me tire ka balukona, il me refli. Ni qui est fili, non, il est ça. Ni ça là, le monsieur là, il va prendre plus même, il est recouvert. Parce que toi, tu ne fais plus partie là. Parce que toi, tu étais la première. La deuxième est rentrée. Ok. Ni il est ça là, la deuxième là va devenir la première. Il va prendre encore une encore. Elle va devenir la deuxième. Après, il va prendre encore ça. L'autre là va devenir la troisième. Toi, tu es là avec les anges dans ta tombe là. Mais le cas où il y a tout le monde. Eh bien. Souko la loi manko bolo be fili dama e fa muso nani ne bo bolo au mona duba le konon i bas na muso bala e ini rekete ba foko tuba bule non nete sonama nete sonama i sonama e ma sonama wa an ka dina ko ko ni chebe se na se ba e kwa yake un point intérêt parce que muso atana lo kmai oui atana kuma min ka bo muso anaka limania be atana lo kmai o ma ran ko de même une histoire même ko karamo muso do tume. Elle parlait de la polygamie. Elle fait dawa, elle prêche. Elle dit que les femmes acceptaient la polygamie. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Si l'homme, il peut, il a les moyens. Donc, on dit la femme là, masha'Allah, elle donne des cours, elle donne des cours aux femmes. Écoutez très bien. C'est tout à fait normal. Quand tu es une femme, quand tu prêches là, tu peux parler de Dieu, même si ça n'arrange pas les femmes. Un prédicateur, il ne faut pas chercher ce qui arrange les gens. Il faut quitter dans ça. Si c'est pour faire ça, nous, on va parler de autre sujet. Ou bien on parle de la politique. Parce que c'est dans la politique qu'on ment. La démagogie, le mensonge. Mais l'islam, on dit la vérité, tu prends ou bien tu ne prends pas, ça ne nous regarde pas. Donc, la dame en question, un des faits que prêcher, la polygamie est bonne. Ayesom. On dit cette femme-là qui prêchait, le jour que son mari, il dit à la femme, viens t'asseoir, j'ai besoin de toi. Son mari dit à sa femme, ok, ma femme, Inch'Allah, je vais prendre une deuxième femme. C'est-à-dire, la femme même qui prêchait, on dit la femme est tombée d'abord. Brou! Elle avait wajibili qu'elle a. Comme on sait comme Mousseau. Ni muso tebe fe ka ta ko muso yo son muso kanaba na re na ni le wajibili kala le kanga ka example le ale check a fanya na doron ka fana mina muso fana ta ko le bena le uru awe ale wula wati mina ka nyama lo wati mina no ako ni mano wale ame duo le kala malimanya dila. Une femme peut être jalouse, c'est tout à fait normal, c'est ton droit. C'est pas un problème, mais qu'est-ce que l'islam demande? La jalousie ne doit pas être une jalousie de haine, une jalousie de détester l'autre. Je veux même pas voir l'autre. Abe slas la kangana teme, nya te fe ka la kan. Abe fo ma ko djuguya ni nyamboya, obola jalousie abodakon. Même si son enfant tombe malade là, je m'en fous de elle. Mais toi, tu es mauvaise la femme. Toi, tu es très mauvaise. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Ça, c'est la haine. Il faut purifier ton cœur parce que tu as une maladie qui est très dangereuse. Si cette maladie-là, tu ne te guéris pas de cette maladie-là, tu risques de tomber malade et tu vas mourir. Slama moumini kakan ka yere labe ni si fari belle. Moumini kakan ka yere labe, labe ni dafali la. Kalimani yako nima di ambela kafoni ma alaw talabu la la mokela. Donc, Moussomi, ni allé, wati be, c'est elle qui se plaint. Elle qui se plaint. Oye, Moussou, si gourman nanne, ou Moussou, si gourman ni tchaou yede. Un peu, c'est elle qui vient. Ah, c'est comme ça, c'est rentré ici. Ah, l'homme là, il est tellement fatigué, il ne veut même pas écouter même sa femme. Parce qu'à chaque fois, c'est des problèmes. Elle se plaint toujours. C'est elle qui se plaint toujours. Ah non, c'est rentré là-bas. C'est sorti ici. Ni ndolata ni mbolata. Ni mousso sougou fana. Djogo sougou ni nabe mousso la. Ni mandi tchaou yede. L'homme il est quitté au boulot, il est fatigué.
La femme est là. Le monsieur n'a même pas encore enlevé sa chaussure là. La femme, elle a commencé. Grrr, grrr, s'il te plaît. Il y a des femmes là, quand elles se mettent à parler là, tu vas dire que c'est Radio RFI qui a commencé. Ça dit, l'homme, il est là d'abord, il n'a même pas la paix du cœur, même chez lui à la maison. Il est là, il veut se relaxer, il veut se changer, il veut prendre sa douche, il veut manger d'abord. Mais non, n'a pas la douleur, non, RFI dame, non, non. Tous les détails. Ça dit, l'homme, il n'a même pas besoin de ça. Quand tu regardes chez nous à la maison, plus généralement, c'est les femmes qui commencent les critiques des gens. Les hommes, souvent les hommes là, olu kogorebo olu kuna mitu ni ka e korofoli be kala lukuna wati wati ni cheba da do la korofoli la ka mogo korofo ka mogo korofo ka mogo sodom ni klanche chama me dam na muso le la tu sais ce qui s'est passé. L'homme aussi il est là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Et l'autre là, quel autre? Celle qui est à côté de nous là, il va commencer. Le pauvre aussi, il veut pas critiquer, il veut pas mettre sa bouche dans des choses qu'il va voir abena gulumusoro abadamna. Donc, cela yɛrɛ ka kan ka nin bɛɛ i yɛrɛ lajɛ nin bɛɛ la. Kɔrɔfɔli man ɲi, ko ɲɔgɔn sogo domino. Mɛ jɔn de bɛ cɛw bila la k'a caya musow? Cɛw mako tɛ min tɛmɛna musow ni ɲɔgɔn cɛ, c'est votre problème. C'est même pas nous nos problèmes. Mais il veut toujours associer son mari. Kalimanya ko ɲuman di an bɛɛ la ka foni ma Alahu Taala bolo Ala mɔkɛ la. An bɛna se a loruna la. A loruna. Oni muso min b'a yɛrɛkun marasa, a b'a yɛrɛkun marasa. O kɔrɔ ye di? Elle se a b'a yɛrɛ vante tellement, elle croit tellement sa beauté, elle croit tellement sa richesse. A l'anima yɛrɛ la, a marasa nima yɛrɛ ɲakɔrɔ. He? Balimacɛ, ni bɛnna muso sugu o fana ma, muso min a bɛ kan k'a yɛrɛkun marasa, a bɛ kan k'a yɛrɛkun marasa. Mɔgɔ bɛ bolosorin dɔ la, ale bɛ bolosorin dɔ la. Mɔgɔ sigilen bɛ k'a yɛrɛ maki, ale sigilen bɛ k'a yɛrɛ maki. Mɔgɔ bɛ kan k'a sɔnni fara tigɛ, ale bɛ kan k'a sɔnni fara tigɛ. Ale dani b'a yɛrɛ la tɛlima, a kɛni bɛ k'a yɛrɛ marasa a yɛrɛkun na. Dunya yɛrɛ tani bɛ k'a sigi a dusukun na, c'est-à-dire dunya b'a le bolo, ale yɛrɛ le kɛlen bɛ ka dunya telekomande ta. O muso sugu fana, dunya le ka d'a ye, ko babaw le ka d'a ye. Moi, je vais donner un conseil à tous mes frères en Allah. Une femme qui fréquente les artistes, une femme qui est en contact avec les artistes, ou bien une femme, quand une communauté ou une association veut inviter, comment on appelle ça, un artiste ou bien une femme griotte, la femme qui fait les démarches là, dit à ta femme d'arrêter. Muso dobey, olu fana ka ɲɛnama ya bɛɛ ye mun ye? Artiste minnu woletɔ ka na, olu le b'a ko bɛɛ lɔn, a tikɛw bɛ feere cogo min na. Non, i kana sɔn. E muso n'olu tɛ taama ɲɔgɔn ye. C'est pas le même monde. Hakilinata kelenw tɛ, dunya sugu kelenw tɛ. Nunu dunya le ka di olu ye. Olu ka dunya le ta ka k'o ta ye. Mɛ ele muso b'i ka furu kɔnɔ, e bɛ taa teriya kɛ n'olu ye mun na? E bɛ fɛ k'o ka mode de vie ta ye, n'o tɛ vie sugu kelen. Nunu ka su kelen tolon wari, sanu le bɛ d'o ma, mobiliw le bɛ d'o ma, basanw de bɛ la ɲɔgɔn kan k'a d'o ma. Ça, c'est pas toi ta vie. C'est pas toi ta vie. Qu'est-ce qui va te venir dans la tête? Tu vas essayer de copier ces femmes-là. Et ka wari bɛɛ bɛ taa don i ka faniw le la. Et ka wari bɛɛ bɛ taa don sanuw le la. Tu veux être star. Tu veux tellement copier ces femmes-là. Donc, Mouna, parce que vraiment, il y a un qui est marasa. I k'i yɛrɛ bila degré ni valeur dɔ la. Wari yɛrɛ t'i bolo ko mɔgɔ y'i ta k'i kɛ marraine ye. Wari t'i bolo ko k'i ta k'i kɛ marraine ye. Alu minnu fana bɛ tɔnbaya la, ni mɔgɔ b'o ya wariw dila aw ma ko ka pari, ko ka pari wariw garder. Les femmes qui sont les marraines ou bien les tombas là, si elles viennent vous voir en cachette là, l'argent des gens là,
hankela maren ni de nkela ni de nani may wardia warin indian dogola il faut pas donner jamaka warli l'argent là elle veut aller gâter ça la nuit abe fait katale parce que aller talaka ke maren ni koba le kalfala le la parce que koba ni ne kadale elle veut faire adama donc ka ville copier warti bolo komi ambe en chomina wartambolo babu ka karusara barani warni mi medola o fitini mi met tatala ma obolo ka ke pari ni moni ele beta ka ta pari basore moni basore ko ye ma o ka war dile ma cachette la on connaît tout ce dossier là on connaît tout donc elle aussi elle va dire y a pas de problème elle peut te donner 6000 euros 7000 euros 8000 euros tu es là maintenant quand tu rentres. Il y a des femmes aussi qui vont t'accompagner. Ah. Je le moussole l'on qui m'a connu. Elle va t'attendre pour te montrer que tu ne connais rien. Elle est plus smart que toi. Tu es en train de venir, ton bazin est en train de nettoyer la terre. Elle est en train de venir, Dembardola, Marenbardola. Ils vont venir te mettre maintenant en face même de la griotte maintenant. Elle connaît ton nom de famille. Elle connaît ton prénom. Elle va te décrire ton papa, décrire ton grand-père, décrire ta famille. Wallahi. Il y a l'onime à l'onsou avec qui connaît kafo, qui kaf sani sani la moussobeye. Kassore kenime qui yere marasale. Allons sous, abi kono kafo yon yon mousso tchenyou mate, parce que yon kap basan min do, yon te fa yon yon mou la salla. Makiyaji min lalikan a sou kelen kono, yon yon madala nan makiyaji yon yon mou la. Tu coûtes tellement cher ce jour là. Talon que tu as acheté, basan que tu as acheté, et la femme même qui s'est déplacée même pour venir te maquiller ou bien te décorer, ou bien je sais pas, oui, on dit ça décorer, c'est mieux parce que tu n'es plus maquillé. Il te mène au salka. Elle ne vient pas. Quand l'ambiance commence, la soirée commence, tout le monde est là. La marraine n'est pas là d'abord. On ne voit pas la marraine. Elle va attendre après 2 heures du temps le spectacle. Quand tout le monde est présent, les gens sont concentrés, la salle est remplie. Elle est en contact avec les autres. Abe dit Djama Kacha Salla. Monsieur Nanasi Senwa. Ah, monsieur Nanasi Sen. Bébrasséa. Ah, la pauvre, elle va venir donner. Elle va venir. Abe Kangado. Ni Djelimousso ka nato et kabini sali dodala. Tchebala kolon, pede kameramani mounoubeini. Oloufana mouka kamera ta dron ka chou moussola. Alou tche mounoube ta mousso ka dongeron nou la. Aou photo tala nou nou, aou ya lon ka fo. Ko aou ye ala ou tala djougoude. Les hommes qui sont présents dans ces gens de lieux de danse là. Que tu sois caméraman, que tu sois photographe, a donc a fo ebe bara min kela ou ye mousso ou tchema haramun kati'iyan. Arrête. Les femmes aussi, n'acceptez pas que ton mari, votre mari soit un homme comme ça, qui est toujours avec les femmes dans les lieux de danse, il est en train de filmer ou prendre photo des femmes. Est-ce que tu peux être fier d'un homme comme ça? Tcheba lakolo mime mousso ou tchema. Il est en train de frotter, se frotter, katou mousso là. Mais n'y te tcheyayo. Mousso ya ere kaf saninye. N'y te tcheyaye. Ima tchado yeno beta manebi kale kafoko mousso là. Le fait qu'il fréquente les femmes tellement, quand tu les vois en train de marcher là, tu vas dire que c'est une femme qui est en train de marcher. Parce qu'à kako beka la mousso kole. Eh, allez lebe mousso au photo talade. Allez lebe mousso au filmé là. Eh, mousso bo ka dongero ni shetana dongero la oko la kolono disou la kolone. Et bien, mon kéki nana photo ta nana ni caméra. Et tu penses que c'est ça qu'on appelle la civilisation? Tu n'es pas civilisé. Dis-toi que tu as un sérieux problème. Ini mado nou ne ekele. Trofo bali nou nou. Antemi nou trofo lani nou lou le ekele. Mais tu peux même pas taper ta poitrine que tu es un homme. Elle, il est là. La marraine est en train de venir. Tu les vois en train de courir avec leur caméra. Les projecteurs sont braqués sur la marraine. Gel muso yere fana l'onime. Muso doto. Abeb do la. Sali a tel muso be wuli damna. Tel muso be wuli damna. Et pourtant,
quand tu constates, quand tu regardes cette femme-là qui a été la marraine, qui va gaspiller, qui va dilapider l'argent, sa maman souffre en Afrique. Son papa souffre énormément. Ses frères n'arrivent même pas à payer leur loyer. Tu vas trouver que l'ordonnance de la maman est là, ça vaut maintenant 1 mois, 2 mois. L'ordonnance n'est pas encore payée. Mais c'est la fille maintenant qui va se jouer le boucan. Tu vas trouver que l'homme, même son mari, sa voiture est gâtée depuis des mois. L'homme là, il prend le bus pour aller au travail. Tu vas trouver son mari, il a un sérieux problème, il souffre, ça ne va pas. Mais tout ça là, ce n'est pas son problème. Non, 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 c'est pas. Elle veut un nom, une seule nuit seulement. Sous quel un peu trop, allez, ma cobole là. C'est connu, calcul est connu, est clair et net. En Europe ici ou bien aux États-Unis. Chaque fin d'année, prime de vacances ou bien prime de fin d'année, c'est ce que les gens prennent pour aller, alhamdoulilah, kata vacances kenai. Sinon, karosarabara, ebika bounsara, ebika dumini, nifonsara, tu m'as donné 200, 100 euros, ni m'y mettre, bob la monina, na, no, kab fitini, minsoro. Et bon, tu m'as donné vacances, warde, c'est que le faux était, tu m'as boulé en Belgique, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois en Hollande, que tu sois en Suisse, là. Karosarabara, kela, ben, 1000 euros, 1200 euros, 1100 euros, d'où il y avait 9000 euros, au drone. Personne n'est riche ici, sauf ceux qui font, minoube, affaire, kela. On se connaît ici. On se connaît entre nous ici. Nous sommes tous en Belgique. Toi, tu viens avec 7 000 euros, une nuit seulement, ou bien 9 000 euros, 10 000 euros. Quand on parle de toi, tu peux prendre. Et puis, elles sont tellement. Ça dit, à quoi il y chez Tanako? Les billets anciens là, non, 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 non. Les billets neufs là, ou les billets courants. Comme en Europe ici, ce n'est pas comme l'Afrique. Il suffit seulement de mettre ta carte. Dès que tu mets ta carte là, les billets qui vont sortir là, billets courants. Parce qu'il y a billets, il y a billets. Quand le billet est bien là, quand il soulève le billet là, la caméra va filmer le billet. Donc elle est contente. Elle va commencer à faire sortir. Elle va quoi? Surtout, si Djelimousso, s'il connaît le dossier même là, il sait que peut-être celle-là, elle est seule, ou bien peut-être celle-là, elle a une rivale aussi, elles sont deux ou bien trois comme ça. Ah non, ça c'est gâté. J'aime beaucoup les. Quand une femme est intelligente là, elle nous dit, nous hakli kabo, wallahi. Dieu nous hakli kabo kodjou. Donc elle est là, elle ne sait pas que tout est prêt déjà. Face à Benalla là. Si elle est seule là, il y a la chanson qui est là. Il est en train de chercher pour toi. Il est en train de chercher pour toi. Abanginilele kelener. Non, c'est fini. Ton mari cherche l'argent pour toi seul. Il va commencer maintenant à faire la talakou de ton mari. Il tient la mouloukou libile. Il tient la sale bile. Il tient la nine bile. Non, fanambola, la pauvre, elle est déjà gâtée, elle est déjà noyée. Ils vont parler de son nom de famille, ses parents. Mais non, non, non. Mais à partir du moment qu'on dit non. Il tient à la mouloukoumousso le billet. Il tient Karen le billet. Il tient à la soumourosa le billet. Donc, elle, maintenant, elle va s'éclater maintenant. Saki mi mabolo. Saki beda elle est dame na wati. Sinon, wana minou babo la bolou dit. Mais ni ka saki yeda elle la wati wati. Tchè fasa le lala ka la le ka. Tchè fasa le lala ka la le ka. Et mais si elle a aussi sa rivale là. Si elle a une rivale aussi, elles sont deux. Et puis la griotte en train de chanter, elle sonne avec son mari. Là, non, elle est morte dans le film. Non, 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 dans ça même, c'est fini pour elle. Ah ouais, parce qu'elle veut montrer maintenant à tout le monde qu'elle est le Takumabe. Elle est le Takumabe. Donc, à bas qu'à portefeuille d'elle, à bas qu'à, elle ouvre le sac, elle va commencer à faire sortir. Elle va commencer. Non, non, c'est fini. Le sang même ne circule plus. Ata yɛrɛ bolo nin yɔrɔnin na ni mɔgɔ yɛrɛ ma ɲama walahi k'a ka saki minɛ a la a ka bijou minnu b'a bolo a ka sanu minnu b'a bolo a bɛ sin k'a bɛɛ bɔ daminɛ k'a di parce que et pourtant le pauvre il a la maison ça ne va pas du tout il a du mal même à manger ça ne va pas il est stressé
toi, ils sont en train de dire son nom sur ton nom dans les lieux de danse là, et tu commences à dilapider. Toi-même, tu sais que ce que tu fais là, c'est faux. C'est une fausse vie, c'est pas du tout vrai. C'est artificiel. C'est faux. Le monsieur même, il a un sérieux problème. Mais Delmoussoba, il a le cafou, il a cliqué à dehors. Tu vas finir tout ça. Même un saint Atika Bedoukono. Même Kamatika Bedoukono. Tu vas venir chez toi à la maison là. Les factures t'attendent. Hein? Tu n'as pas encore payé ton internet. Il y a des factures des enfants qui sont là. Tu n'as pas encore payé tout ça. Tu as fini tous tes cinémas là la nuit à cause d'une seule nuit. 4 heures du temps ou bien 2 heures du temps ou bien 3 heures du temps. Tu as gaspillé plus que 7, 8, 9 000 euros. 9 000 euros là, ça c'est... Mordoka samfla économie nobe yé tuba boula bara là. Samfla économie. Parce que quelqu'un qui travaille, il paye maison, il s'occupe de sa famille, il va garder combien? Peut-être peu qu'il va garder là petit à petit. Samfla économie, elle est bota. Elle était affaire là, il faut karobara. Et demayatri, qui va dépenser ou qu'elle a. Elle est bota, t'es donc la fille. Donc, la soirée bana, chacun va rentrer, bébé n'a lui fait. Téléphone ou les tatons. Akawarbo bide. Akawarbo. C'est fini, ni sous au bana. Fagirité na celle-là. Foyité na celle-là. Parce que à long yere là, elle est sawani me nyamima. Fagiri celle yere tika programme là. Parce qu'il boit la yoro mina sawami mila. Kasore ki yere mako sale. Ebarana, Doussa Barakbe, le lendemain, Niko Ye, Niko Nyadawye, ici là, au Nyashi Nounou, au Talafem Kunta Minou Mualawye, Niko Nyadawye, fondé terre mimo Nyadala, snor de senimo Farila, ni mousso Wulila ou Lerila, Inya Lalaka, Minou Tala Ninkosuke, Ali Dasi Kelita Dola, Eba Foko, qu'on y ait chiffon la djila. Et c'est pas celle-là qui brillait la nuit. Ou caméra Betoumaka. C'est occasion peinturée. Avancée de Demsen Inter. Ani 15 ans quoi qu'à Djamiona. Nounou Betoula Bin Ani Nimbi le roule là. Elle a tiré le visage. Tiré le visage. Sinon c'est pas une petite fille. Ani Demsen Yabola Nyona. On dit ce matin on voit qui est beau. La nuit on parlait de toi. Il y a des gens même qui t'ont vu la nuit même au filima. De toute façon tu avais changé. Façon qui irait peinturier, façon qui irait peint, et qui irait maman. Ce qui me met encore intéressant dans tout ça. Moussoumi ni ka warda makounou, na ki fasala. Le lendemain matin, tu peux la croiser. Elle peut te croiser, mais wallah, elle ne te reconnaît plus. Tu sais pourquoi? Elle a déjà eu ce qu'elle voulait. Elle, son contrat avec ton contrat là, c'est fini. Elle, son contrat, avec toi, ton contrat là, c'est fini. Elle est quittée en Afrique pour ça. Dès qu'elle se retourne là, elle doit aller achever sa maison. Elle doit couler dalle. Elle doit aller acheter ses bijoux. Donc, elle est là pour ça. Elle vient vous prendre et elle s'en va investir. Et pourtant, toi-même, tu n'as même pas tiré à plus faire raison acheter briques. Donc, il n'y a pas de qui est sama qui est ni chenmaye. C'est fini, mais allez, Rakli Boliko, tu n'es plus dans son programme. Elle a un emploi du temps qui est chargé. Elle quitte ici, elle va aller dans un autre pays. Parce qu'à Wolelaï, elle ne peut pas se lamenter devant toi, tu es qui? Ce n'est même pas son problème. Si tu veux, là, il faut porter quelque chose d'autre devant elle. Elle, c'est fini. 2 minutes de causerie. Ah non, Allah Tolondiala Kounou, la soirée, ça s'est bien passé. Allah Tolondiala, c'est fini. Basta, c'est fini. Et là-bas même là, elle va encore te demander à dit tes transports d'audience.
Même matin, même là, elle va te soutirer encore de l'argent. Et pourtant, elle ne sait pas que la nuit, là, tu as tout donné. Tu as tout donné. Il a bédi. Ah non, tu vas vous la facture, le braouli d'amna. Eh, tu vas vous nous rewati, tu vas vous la facture, cola, eh. Tu vas vous dire, c'est là, tu vas vous dire, ton yona. Quelqu'un m'a raconté une histoire comme ça. Que Allah m'a laïna, interdit la du kuruma. Ne m'a fait l'histoire une fois la yenne canne, la lèle de ton yon fait. Que les femmes qui social mousseau, mais nous social wartala. Je ne sais pas, souvent, Frafi Mousso, il va falloir qu'elles ont un problème sérieux. Les Blancs vous donnent chaque mois, quand tu ne travailles pas, que tu sois femme seule ou que tu as des enfants, ou, on vous donne social, on vous donne des aides. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Les Blancs qui vous donnent, tu vas vous voir dire là, Aouma, Aouma, Bola. Vous ne travaillez pas, chaque fin du mois, on vous donne. Qu'est-ce qu'elles ont fait maintenant? Elles ont invité, eh non, subhanallah, socialement, nous, nous, qu'on a assistant ou qu'on l'a invité au cas d'Ongayoro là. Et bien, Adamadenka Hakli Lomina, c'est-à-dire quelqu'un, il a pitié de toi, il te dit que tu as quitté chez toi, tu as des sérieux problèmes, c'est elle qui défend ton dossier. Ah non, mon client là, vraiment, ça ne va pas, chaque fin du mois, son argent doit tomber. Chaque mois ou chaque deux mois, tu as un rendez-vous avec elle pour les entretiens. C'est elle qui peut t'aider pour le boulot. C'est elle est là, elle se tue pour toi. C'est ton assistante, c'est elle qui est là. Et qu'à être contact. Les femmes africaines osent inviter Obemuzo Nounouole. Non, ce n'est pas la peine. Anya que ça, mais c'est qui assistant sur le bas, il faut être là. Mais alou ya kene au camp, ou be wari le lafili, vous jouez le boucan. Ah, nga meko war bola ni londe. Assistant yere sigini, mais allez yere. Olo yere, ça dit, faut beta kofé folo. C'est pas cela. Nous nous l'été, it dama kasi la wati be, koka wari kado, oka beta beta. Non, nous nous ne war lafili là. Ah, anga me koni ko madia wala de koni makosa be feka munsoro ko joli be bo akuna nunu takelole mo me me au made me naka au ka waru ko nyana bo au bo to lu invita au ka donkena au ka au te dauma donkena nunu kan fana au be kan ga war la filifli nunu ye ko de ye bi slamo ka kan ka hakli soro ko munula. Et Misri Djou, il a donné à Fambé Fébi. Mao Bekanga Nyon Danke Misri Djou là. Mao Bekanga Nyon Dan Feritan Ndou là. Mao Bekanga Nyon Dan Colon Segou là. Ani Forage Segou là. Mao Bekanga Nyon Dan Wafi Dali Kafali Yatana Fasil Mutana Fisuna. Mao Kakanga Conquérance Nyon Danke Slamaya Bara Mamunula. Alou Hakli Moye Alisini Aube Siginako. Alisini Aube Siginako. Kaliman ya kunyuma di ambela kafunma ala utalabu la mwakala. Muso sigiyoroma aworona. Oye muso ye azawjatul basita. Oye jwa muso jwa ye une femme muso minkanoro. Muso minkanoro. O chele ba akorota kake reni. Ala ma muso no yala de akuma kan kanno akake walu kanno akabaro kanno na cheyi muso min kanno ala karatu nye maye ak jodo le tunyete ala karatu kanno na ka sahabawi sadi akako be c'est tranquille akako be masha Allah c'est tranquille o ya worone a worum flana Al-Zawjatul Mutawadi'a, Moussou Majgini, une femme soumise. C'est elle qui respecte son mari quand le mari n'est pas là. Moussou Majgini, Moussou Mafani, Moussou Minkenime ka Majgita ka Furukono. Oye Toma Seri Bahe, Alama, Nin Toma Seri Dila Moussouma. Ashegina, le huitième. Oye, moussoye,
Al-Bashusha, une femme qui est toujours souriante, une femme qui rit toujours, une femme qui dégage toujours la joie. Elle n'a pas la mine serrée, elle est souriante, elle parle avec sourire, elle est toujours souriante dans tous ses actes et ses propos. Ni mususugu, ale sawanime, ni dola ka sokono, na cɛ dola ka so kɔnɔ, a b'a cɛ labɛn ni nisɔndiya ni sawaye, a b'a cɛ labɛn ni farifoni ye. O muso sugu n'a cɛ taara dunuya fan fan, cɛ hakili bɛ jigin a la. Si l'homme, son homme se déplace ou il voyage partout où il va se rendre là, quand tu vois un couple qui est toujours coincé, ils ont la mine serrée les uns envers les autres, il va se rappeler de sa femme. Il dit, oh, Allah m'a donné une bonne femme. Cette femme m'accueille avec la joie. Elle est toujours souriante. Elle dégage toujours la joie. Et c'est cette femme-là aussi que les hommes, Tchaouba a fait. Un homme, même quand lui et sa femme, là, les deux décident de prendre photo, la façon dont la femme a toujours la mine serrée, même quand il regarde dans son téléphone, lui et sa femme dans la photo, il voit que même dans la photo, sa femme même là a la mine serrée. Parce qu'elle est comme ça de nature. Elle est toujours en position de parler. Bon, elle prend tous les choses, tous les trucs là. C'est pas sincère, c'est rentré ici. Elle est toujours en position de parler. Mais soyez gentil, soyez souriant, c'est ce qui est recommandé, c'est ce que l'islam veut. Wallahi, Mousso, il tient n'yab la banalalika, kofolo min kankana du sukuno et sawali. Quand ton mari te voit net, la première des choses qu'il doit ressentir, c'est la joie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. De... Quand ton mari te voit, la première des choses qui va dégager d'abord, son cœur va faire boum! On dirait il a vu le feu. Il y a des hommes aujourd'hui en Europe, ici, là, ils sont toujours dans les cafés. Après le boulot, ils sont fatigués, mais ils sont obligés d'aller s'asseoir au café. Causer avec ses amis. Passer le temps avec ses amis. Pourquoi? Il préfère rentrer chez lui à la maison, ni sous cola, pour que vraiment, quand il va rentrer là, il lui cherche toujours la paix du cœur. Mais il y a le feu qui est à la maison. Et pourtant, la femme, c'est la joie. La femme, c'est le sourire. La femme, c'est subhanallah. On doit sentir que vraiment, quand tu rentres chez moi, je me sens apaisé, je me sens tranquille, je suis content, je suis joyeux. Mais aujourd'hui, le mariage, c'est pas ça. Les hommes aujourd'hui, si tu vois qu'un homme là, il sort toujours là, il n'est pas du tout à l'aise chez lui là. Parce que la femme qui est à la maison là, elle n'est pas du tout bonne. Une femme qui est bien, une femme qui est gentille, une femme qui a la joie, une femme qui sourit, une femme qui accueille son mari avec la joie. Mais ton mari sera toujours pressé de rentrer chez lui à la maison. Quel que soit ce qu'il est ou quel que soit ce qu'il fait, mais un homme intelligent, quand il a une grande femme là, il sait très bien que ah, Allah m'a donné une bonne femme. Akonondona, le neuvième, Al-Hanouna. Oh, ça c'est plus aussi, Al-Hanouna. Quand tu regardes une femme, une nourrice, qui regarde son bébé avec l'affection, il regarde son enfant avec amour. Hanana l'été. Tout ce qui est hanana, il y a la douceur, il y a la tranquillité. Muso minu be o chella beni basigi ni hina ni mafa ni jiki mafa ye. Ces femmes-là, si on te pose la question, c'est quelle femme qui peut douter tout ce qui est comme secret de son mari, elle détient tous les secrets de son mari. Cette femme-là, Al-Hanouna, Wallahi, tu es là, tu traites ton mari comme un bébé. Tu es là, tu as pitié de ton mari. Tu es toujours à ses côtés. Mais ce monsieur-là, il va te dire beaucoup de choses. Même si ce monsieur-là ne t'aime pas, mais avec la douceur que tu présentes, que tu montres à ton mari, l'homme finira, il va parler.
Quand il souffre, il est malade, il sait que tu es toujours là. Il sait que tu sais où ses médicaments sont. Et tout ce qui est secret, il va te dire parce qu'il sait très bien que j'ai une femme qui me traite comme une mère qui traite son enfant, un bébé, un nouveau-né. Ça, c'est 9 catégories de femmes. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nul n'est parfait, que ce soit les femmes ou les hommes, mais avec les conseils que nous nous donnons, le rappel est bénéfique. Ça peut t'aider. Tu peux améliorer ton foyer avec. Prends ces 9 conseils-là. Essaye toujours de t'améliorer. Peut-être il y a dit des choses qui te concernent. Peut-être tu es négligente. Peut-être tu ne t'occupes pas bien de ton mari. Peut-être aussi tu es une femme qui est têtue. Tu ne comprends pas quand ton mari te parle. Mais Inch'Allah, essaye de te donner avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura ce changement-là dans ta vie. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Que Allah fasse de nous des femmes. Que Allah fasse de vous des femmes pieuses. Les femmes qui ont la pudeur. Les femmes qui puissent bien maîtriser leur foyer. Les femmes, alhamdulillah, qui s'occupent bien de leur époux. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne tous le paradis. Que Allah nous donne tous le paradis. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rzuqna tiba. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.